Idole, un mot qui revient d'habitude dans nos discussions. Idole, un mot qui fait irruption dans notre vocabulaire lorsque l'on exprime son admiration à une personne en particulier. Une admiration parfois exagérée, je dirais même démesurée, lorsque l'on veut coûte que coûte ressembler à cette personne. Et justement, y a-t-il un mal à vouloir ressembler à quelqu'un qui excelle dans son domaine comme un dieu? Idolâtrie, que dit la Bible à ce propos? Voilà donc l'idolâtrie et ses différentes formes ainsi que ses dangers. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui dans ce numéro de l'Église. Aujourd'hui, votre émission du bien-être spirituel. Bonjour à vous. Mon père, bienvenue à la télévision togolaise. Merci. Comment vous allez? Je vais bien. D'accord. Alors, vous avez déjà le thème, l'idolâtrie, ses différentes formes et leurs dangers. Bien souvent, le mot idole apparaît dans des discussions entre amis et surtout lorsqu'il s'agit de parler des artistes, ce mot revient souvent. Alors déjà, d'abord, l'idole ou l'idolâtrie, du moins les deux, idole et idolâtrie, comment définit-on ces deux mots? Merci Amtia. Et c'est vrai que le mot idole est rencontré souvent aujourd'hui dans le langage courant et que pas seulement dans les milieux religieux. Voilà, donc, et donc avec cette question, je me permets d'aller à l'étymologie même du mot. Donc idole vient du grec, ça vient du grec eidolon, eidolon qui signifie image ou symbole d'une divinité. À la racine, à la base, c'est ça. Quelle qu'elle soit, c'est la représentation d'une divinité que l'on adore comme étant la divinité elle-même. Alors, c'est-à-dire, quand on dit représentation d'une divinité, ça veut dire que c'est l'image ou la statue ou le symbole renvoie à un archétype qui est la divinité elle-même, qui parfois ou généralement est invisible en soi. Voilà. Et donc, mais... Et à ce niveau étymologique, ça veut dire qu'il y a le culte. Hein, il y a, qui est voué, voilà, l'adoration, la vénération de cette image. Ce n'est pas simplement une photographie ou une représentation laissée là, comme ça, non. Il y a un lien entre représentation et adoration. Il y a l'image et le culte. Voilà, il faut garder ces deux distinctions-là. C'est ça qui va nous permettre voilà, c'est ça, de voir aujourd'hui bon, par rapport à l'usage de ce mot et quels sont les déplacements. D'accord. Alors déjà, à ce niveau-là, il y a la religion qui intervient. Si je peux me permettre, ça nous permet de parler déjà des types d'idoles. Oui, j'allais venir à cette question. Est-ce qu'il y a différents types d'idolâtrie? Donc, on était en train de définir idole. Maintenant, l'idolâtrie, c'est quoi? Voilà, l'idolâtrie, c'est justement cette posture-là, cette relation, je dirais, à la fois affective et spirituelle. Oui. Affective dans le sens que celui qui est en face de l'idole ressent quelque chose. Il y a un ressenti, il y a de l'émotivité, du sentiment. Et ensuite... il y a la dimension spirituelle parce que ce ressenti, ce sentiment qui anime la personne et qui relève donc de la sphère affective va renvoyer donc le sujet à une dimension transcendantale, c'est-à-dire à quelque chose qui est au-delà de l'humanité, du visible, du concret. Donc la dimension spirituelle et transcendantale qui renvoie donc à cette divinité, comme je venais de le dire, qui elle reste invisible, sauf dans ses représentations. D'accord. Donc l'idolâtrie, pour résumer, c'est cette relation d'amour ou d'affection dans l'acte d'adoration. Voilà. Et nous disons que l'homme adore toujours quelque chose qui est plus grand que lui. Et on dit aussi parfois que c'est une admiration, mais passionnée. Oui, voilà. Justement, j'aime cette autre approche-là. Admiration passionnée va venir après dans notre discussion, j'espère bien. D'accord. Parce que dans le langage courant, quand on dit mon idole, je pense que ça va beaucoup plus dans ce sens, plutôt que dans le sens spirituel et de l'adoration. Ok.
Et comme vous pouvez vous y attendre à cette question, y a-t-il différentes formes d'idolâtrie? Peut-être que ce sont des formes dans lesquelles on verse au quotidien sans s'en rendre compte. Oui, en effet, il y en a beaucoup. Je vais commencer par la plus ancienne, la plus archaïque, qu'on retrouve dans toutes les civilisations. Voilà, donc c'est l'idolâtrie sur le plan religieux. Voilà. Ouais. Et déjà, pour nous Africains, nous savons que la civilisation africaine, hein, ou je dirais même, voilà, l'humanité a commencé en Afrique. Et déjà, hein, à l'époque de l'homme de Cro-Magnon, on a des traces d'idolâtrie, enfin, du rapport à l'invisible, si vous voulez. Ça commence comme ça. Et viendra après donc l'organisation de ce rapport-là dans des pratiques, je dirais, religieuses. Donc c'est là que commencent les différentes sortes d'idolâtrie. Voyez, on va parler du panthéisme, par exemple. Le panthéisme, c'est chaque réalité, chaque entité naturelle ou même humaine va avoir sa sommité spirituelle, sa divinité, son idole. Voilà, donc vous avez le panthéon où il y a l'ensemble de ces idoles-là qu'on met là-bas. Et donc l'idolâtrie en ce moment est marquée par un panthéisme, c'est-à-dire l'idolâtrie n'est pas uniforme, elle est variée. On adore plusieurs idoles. D'accord. Et vous avez ça aussi dans le bassin. Mais pas le même peuple, ou bien. Par le même peuple. Wow. Par le même peuple. Vous avez la même chose dans le bassin et de Palestine, hein, Palestine, dans le monde sémitique, voilà, et dans le monde. Quand on parle de l'Égypte antique. L'Égypte antique, en Grèce, et même dans la Rome antique. Donc vous avez des panthéons. Quand on dit panthéon, c'est la maison des dieux. Donc là où toute cette divinité. Ces idoles donc sont représentées sous forme de statues, sous forme d'images, et on les vénère. Voyez, donc il y a une idolâtrie, je dirais polymorphe, voilà, ou polythéiste. Puisque c'est divers. Voilà. C'est divers. Après, on va assister à un raffinement qui va donner lieu à une idolâtrie, je dirais même, excusez-moi, c'est pas normal de dire ça comme ça, mais c'est une idolâtrie entre griffes monothéistes, c'est-à-dire on a, nous, notre divinité et c'est elle que nous adorons. Par exemple, tout le bassin sémitique au pays de Cana, on va avoir Baal, c'est une divinité, c'est une idole. Baal, vous avez Estaté, vous avez Pétard. C'est différent de Baal, là? C'est la même chose. Ah, d'accord. La formulation. Alors, vous voyez, eux, leur dieu, c'est Baal, voilà. Et Baal va aller contre le dieu d'Israël, etc. Et au milieu donc de ces formes d'idolâtrie, on peut avancer plus loin pour avancer au niveau de ce que vous disiez, c'est-à-dire on va assister à une autre forme d'idolâtrie, une idolâtrie qui est beaucoup plus de l'ordre de la passion, de l'admiration, du modélisme. Ouais, voilà. Ouais. Donc c'est une idolâtrie, je dirais même plus moderne et contemporaine. D'accord. Voilà. Et donc on peut dire il y a une idolâtrie liée à la spiritualité, à la religion, il y a une idolâtrie liée à l'héroïsme, une idolâtrie liée donc à des performances, à des capacités. Voilà. D'accord. Et justement, lorsque j'idolâtre quelqu'un, parce que cette personne excelle dans ce qu'il fait, c'est un dieu dans son domaine. Est-ce mal au point de vouloir lui ressembler? Oui. Y a-t-il un danger en ça? Et lorsque on prend le cas des artistes, il y a des fans qui sont tellement fans, qui sont capables de beaucoup de choses pour eux. Ils les défendent, ils prennent le... Mais je me permets de vous interrompre parce que nous l'avons vu avec Michael Jackson quand il est mort. C'était de la folie. Même avant sa mort, on a vu... Moi-même, j'ai pleuré parce que c'était de ma génération, donc je l'ai connu. Voilà. Vous avez vu des vidéos où quand il apparaît, les gens tombent en syncope, ils s'évanouissent. Oui. Et ils sont prêts à lui offrir. Et ils sont allés dire qu'il n'est pas mort et qu'il est ressuscité. Tout dernièrement, en Côte d'Ivoire, on l'a vu avec les femmes de... Arafat. Vous voyez, c'est des idoles pour ces fans-là. Ouais. Mais pour répondre à votre question, je pense qu'il faut revenir à l'étymologie et aussi la pointe religieuse. D'abord, est-ce qu'avoir une idole au sens où nous le disons aujourd'hui... Parce que si on prenait ces deux artistes que vous avez donné comme exemple,
Ce sont des artistes qu'aujourd'hui, il y a d'autres artistes qui ont du talent, qui sont internationaux, qui, quand on leur pose la question, qui est votre idole ou bien à qui vous voulez ressembler ou bien qui vous motive, ils citent leur nom. Donc déjà, ça voudrait dire que ces personnes motivent ces derniers à vouloir faire mieux. Tout à fait. Déjà, est-ce qu'il y a un mal à ça? Bon, vous voyez, avec ça, moi, je serais intemporel. J'irais contre même le mouvement collectif de mon époque. Oui. Si je vous réponds à cette question en disant que non, c'est mauvais, parce que je suis prêtre, je vais dire non, c'est Dieu seul qu'on doit vénérer, qu'on doit avoir comme... Non, si je réponds comme ça, c'est faux. C'est pourquoi je voudrais revenir à la base pour dire que pour la religion, les religions monothéiste. Je fais la différence entre maintenant les religions et les pratiques l'idolâtrie. Parce que les religions monothéistes, on les connaît. Et les plus grandes, c'est le judaïsme, le christianisme et l'islam, n'est-ce pas? Oui. Alors donc, le combat contre les idoles va commencer avec l'apparition des monothéismes. Et chez les juifs, par exemple, l'idolâtrie est un péché grave. C'est un péché grave et la Bible est remplie du combat des prophètes contre l'idolâtrie. On voit cette attirance vers les idoles, mais aussi le combat des prophètes, des envoyés de Dieu qui va lutter contre. Déjà dans le livre de l'Exode, vous avez ça. Dans les 10 commandements que nous avons, prenez Exode 20, chapitre 4, c'est clairement dit, tu ne représenteras rien qui soit du ciel, de la mer, sous terre, pour l'adorer, comme tu le fais pour ton Dieu, le Dieu d'Israël. Alors donc, cette rivalité entre le Dieu d'Israël et les autres divinités, entre Allah et les autres divinités, et donc va porter un voile noir sur toute pratique d'idolâtrie. Jusque même dans nos pratiques aujourd'hui. C'est-à-dire condamnable. Condamnable. Alors, donc, la clé pour vraiment voir, est-ce que quand les fans de Michael Jackson et les fans de DJ Arafat sont en train de pousser jusqu'à l'extrême leur passion, leur émotion, est-ce qu'ils ne tombent pas dans cette idolâtrie réprouvée par les livres sacrés? D'accord. Il y a une nuance là-bas. Il y a une nuance. Et la nuance, la clé. C'est-à-dire, au même moment, vous ne condamnez pas le fait d'avoir un idole. Non, qu'une personne qui fait quelque chose de merveilleux dans son domaine. Je vais en venir. En fait, la clé, c'est ce qui permet de discerner, de faire la distinction entre la mauvaise idolâtrie reliée. Justement, c'est ce dont on a besoin de savoir. La mauvaise idolâtrie qui est donc d'opposer en face du vrai Dieu, de fausse divinité. Ce qui est un problème de justice, je reviendrai là-dessus. Et la bonne idolâtrie qui est celle dont nous parlons, c'est-à-dire le lieu où un sujet, une personne humaine se construit, se donne de la valeur, se donne de la capacité, des talents particuliers. Donc la clé qui nous permet de distinguer, c'est ce que vous aviez dit au début, c'est-à-dire est-ce que devant l'image ou la représentation de ce qui est idole pour moi, quelle est mon attitude? Est-ce que c'est une attitude d'adoration au même titre que l'adoration de Dieu ou c'est plutôt la passion, l'admiration? Donc la clé c'est ça, c'est-à-dire j'ai une idole humaine, un modèle humain, c'est l'admiration, ce n'est pas l'adoration. Oui, justement, parfois dans ces deux postures, on ne s'en rend même pas compte qu'on passe de ce côté à l'autre. Non, il y a des éléments qui peuvent nous permettre. C'est ce que je vais vous demander là. Est-ce que ce ne serait pas l'aspect transcendantal? C'est-à-dire, nous-mêmes, on sent que non, ça là, c'est plus normal, je ne suis plus parmi les vivants là. Et tout à fait. C'est-à-dire, on s'en va là. Oui, on s'en va là. C'est pas simple. Simplement l'aspect transcendantal, c'est le contenu structuré de l'élément et de la posture et donc de celui qui est devant son idole. Parce que même au niveau de l'admiration des idoles modernes, il y a une dimension transcendantale, parce qu'on va jusqu'à spiritualiser l'icône ou le modèle sont... Oui, mais qui spiritualise ça? C'est les fans, par exemple. Ah, d'accord. Oui. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas seulement la dimension transcendantale qui peut nous permettre de savoir si on est dans la bonne ou la mauvaise idolâtrie. Alors, ce qui permet de... C'est le contenu. C'est-à-dire, quand vous devenez absolument aveugle, par exemple, votre idole va commettre un crime. Vous voyez, il y a un jeune artiste français, MHD, qui était en prison. Il était en
en ascension, un jeune qui emballait le monde entier déjà. Vous voyez, avec sa gang, ils ont tué un jeune homme. Alors, beaucoup de ces femmes... Mais c'est vérifié, finalement. Mais il a, puisqu'on est sur un plateau, plateau télé. Donc, oui, mais il est en prison. Là. Oui, on l'a relâché. Il y a quelques mois. Oui, il y a quelques mois. Mais il a fait longtemps. Oui, oui. Donc, restons là, à ce niveau. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'attitude, le comportement des femmes. Mm-hmm. Vous voyez que certains fans ont dit, ah, s'il fait ça, franchement, là, moi, je ne peux pas le suivre. Et quand c'est comme ça, d'autres se désabonnent. Au fur et à mesure. Voilà, là vous avez là un indice que pour eux c'était simple, un humain idole, ce n'était pas un une dieu, divinité. Voilà. Ouais. Alors que pour le Dieu d'Israël, pour, ils ont toujours leur pour les divinités, quoi. Voilà, c'est une relation cristalle qui n'a pas de jugement éthique. Voilà. D'accord. L'idole divine ne conduit pas à des jugements, à des discernements éthiques. On ne veut pas dire aujourd'hui Baal a fait bien, demain je vais dessus, demain il n'a. Non, non, Baal c'est Baal. Je me suis consacré à Baal. On l'adore dans toutes circonstances. C'est cristal. C'est pas... Alors que l'idole humaine, voilà, là on juge, on apprécie. Okay. Voilà, donc il faudrait que la raison éclaire de temps en temps la passion et l'admiration. Donc pour ne pas se perdre, c'est ce que vous vouliez dire, c'est que lorsqu'il n'y a plus cette présence de jugement, voilà. Et c'est quand on est du mauvais côté de la chose. Voilà. On doit savoir reconnaître les torts lorsque cette idole commet des méfaits. Voilà. D'accord. Et continuer d'avoir sa raison. Quoi. Tout à fait. D'accord. Voilà. Alors que devant Dieu, nous sommes devant une entité qui... transcende notre propre rationalité. Oui. Alors que devant Didier Arafat, non, c'est un humain comme moi, il raisonne, il déconne, on lui dit des vérités, il se bat même, vous voyez, donc voilà, donc ça permet de... Je suis très suivi par les Ivoiriens sur la toile, donc ne vous fâchez pas, c'est juste un exemple, c'est pas pour tenir son sûr, image. Voilà. D'accord. Et c'est bon? Oui, oui, c'est pour cette question-là, d'accord. Ce que nous pouvons dire. Mais... pour finir avec cet artiste Arafat, lorsqu'il y a eu beaucoup de témoignages aussi en parallèle, c'est quelqu'un qui a un grand cœur et c'est quelqu'un qui est incompris d'après ce qu'on aurait de ceux qui ont fait la documentation sur sa personne et que chacun a sa manière de s'extérioriser. Peut-être c'est une manière d'attirer de l'attention. Sur lui. Bon, ils ont essayé de nous expliquer. Bon, et je ne sais pas si on peut trouver un meilleur témoignage sur ces personnes, ces vedettes-là, qu'un témoignage qui vient d'un prêtre. Ah, d'accord. Ben, c'est pour dire que moi, il y a un principe qui me permet de dire, mais c'est des grandes figures, ces jeunes-là sont... Mais c'est des grands talentueux. Oui. Et c'est des dons de Dieu. C'est des dons de Dieu. Et il a un talent fou. Hein. Il le disait, il a un talent fou. C'est-à-dire, nous devons reconnaître les talents. Oui. Et c'est des dons de Dieu. Dieu donne le talent à une personne pour tout le monde. Autrement, vous ne pouvez pas expliquer le fait qu'il y ait tant de jeunes qui voient en lui vraiment un modèle. Et toute beaucoup une génération. De jeunes ont grandi. Hein, ont grandi, se sont parfaits, se sont valorisés à force d'être en relation avec lui. Donc on ne peut pas banaliser ça. C'est pas parce que tel artiste comme Michael Jackson, il s'est dépeint, il a peut-être ébouleffé ses cheveux, on va dire que non, mais là c'est un jugement de premier niveau. D'accord. Voilà, parce que quand vous voyez... Mais si on veut comprendre l'humain... Mais oui, c'est un vrai don. Oui. Un vrai don il de faut Dieu, savoir reconnaître les qualités ça. Aussi. Et pour moi, le talent de ces stars, ça vient de Dieu et c'est admirable, fort admirable. D'accord. Mon père, si nous voulons retourner au côté religieux de la chose, lorsque l'on va prier devant des statuettes et lorsqu'on va devant d'autres dieux, je vais parler des dieux faits par la main des hommes, quels sont les dangers qui peuvent en sortir? Merci pour cette question parce que beaucoup de croyants et critique, surtout nous les catholiques. Parce que quand on rentre dans une église catholique, on voit d'abord le crucifix de Jésus, les statues on voit les statues de la Vierge Marie toujours, surtout, hein. Et puis les statues des saints, et les gens allument des bougies, ils prient devant, et voilà. Et nous avons toujours une question permanente sur ces sujets-là. Mm-hmm. Alors moi, je dirais en deux points. Le premier point, c'est que tout ce qui n'est pas vrai Dieu, et pour les chrétiens, le Dieu d'Israël, et pour les musulmans, Allah, parce que c'est religion reconnue, universelle. Tout ce qui n'est pas le vrai Dieu ne peut pas mériter l'adoration au même titre que le vrai Dieu. C'est de l'idolâtrie. Et cette idolâtrie est toujours éprouvée.
Alors, deuxième point, comment expliquer donc le fait que nous, les chrétiens catholiques, nous avons des statuts voilà. Ça vient d'abord du fait que, vous voyez, quand vous prenez les 10 commandements, c'était dans l'Ancien Testament, ouais, avant la venue de Jésus-Christ. Ouais. Et pour nous, en théologie catholique, on dit la venue de Jésus-Christ est un événement fondateur. C'est un autre événement qui est à comparer comme celui de la création. Mm-hmm. Vous voyez, Dieu s'est fait homme. Il s'est rendu visible à nos yeux. Les gens l'ont vu. On peut alors le représenter. Oui. Vous voyez, l'interdit de Exode 20, oui, est venu avant que Dieu se manifeste. Dieu ne s'est jamais manifesté comme ça. Quand il s'est manifesté à Élie et à Moïse, oui, c'est toujours de façon symbolique. Ils c'est ne l'ont jamais. C'est à ça que je voulais en venir, parce qu'il a dit qu'on ne peut pas voir son visage, voilà, tellement lumineux. Il s'est incarné, il s'est fait homme. Donc le mystère de l'incarnation légitime la représentation de Dieu dans la figure humaine qu'il a prise en Jésus-Christ. Et à partir de là, tout ce qui bénéficie de la lumière de ce Dieu fait homme, comme les saints, la Vierge Marie, tous ceux qui ont été connectés à cette lumière, deviennent des lampadaires ou des lucioles, des veilleuses qui nous conduisent à cette grande lumière-là. Ouais, théologiquement, ça se comprend, c'est logique, c'est rationnel. Mmh. Voilà. Donc, les saints ne sont pas adorés, la Vierge Marie n'est pas adorée, les anges ne sont pas adorés. Mais bon, quand on voit des fidèles, la posture. Oui, la posture, voilà, on va faire donc, comme ça. Donc, cette posture-là, ouais, et vient toujours du mystère de l'incarnation, qui fait que quand Dieu se fait homme, il divinise en quelque sorte l'humain. Oui, je refuse pas, mais est-ce qu'on a besoin de se prosterner, c'est-à-dire Si, je vais répondre à cette question, parce que d'accord, cette attitude-là, mm-hmm, elle est anthropologique, et c'est-à-dire elle est humaine. Mm-hmm. Et quand nous voyons dans les pratiques humaines, nous allons comprendre que mais ce qui est humain peut évoluer vers Dieu. Mm-hmm. Et par exemple, vous voyez, nous, dans nos relations interpersonnelles en famille, selon les civilisations et l'écriture, vous voulez parler des signes de respect ? Il y a des signes, des postures de respect, vous voyez. Et ça va jusqu'au roi. Quand vous êtes devant un roi, il y a des postures quand même. Si vous faites l'analyse de ces postures-là, c'est parfois impressionnant. Mm-hmm. On va jusqu'à casser les pompes devant un roi. On se couche. Oui, la dernière fois même, je crois que j'en discutais avec mon chef. Je lui ai montré une photo. Il s'agissait d'une autre star nigériane, Davido, qui oui, est partie voir un roi et qui s'est couché carrément par terre à ses pieds. Donc les gens ont sorti ça sur la toile comme disant il adore ce roi, que c'est de l'idolâtrie, justement. Mais ça, non, ça, c'est une coutume, c'est une culture. Chez eux, voilà, signe de respect. Donc, voilà. Donc vous voyez, à partir de cette logique-là, puisqu'il y a une logique maintenant, un chemin qui va de l'homme à Dieu, parce que Dieu est venu vers nous, hein, mm-hmm, tout simplement. Donc, quand vous voyez ces postures-là qui sont légitimées, qui sont considérées comme quelque chose de légitime dans les cultures, vous voyez, vous ne pouvez pas ne pas comprendre que devant quelqu'un qui porte en lui, qui s'est sanctifié, qui est devenu saint, parce qu'il a cohabité avec le Christ, avec Dieu, au point de devenir pour nous une idole au sens contemporain, un chemin vers le Christ. Et j'ai de l'admiration, j'ai du respect, mais ce n'est pas de l'adoration. Vous voyez, je me retrouve devant la maman du président de la République, même si je suis de quel bord politique, mais c'est la maman du président. Vous voyez, c'est la maman du président. Oui, mais c'est la maman du président, mais quand on va voir le président, on ne va pas demander l'audience auprès de sa maman. Et non. Mais on va à son cabinet. Bien sûr. Mais en même temps, quand vous êtes en face de la maman, vous ne raisonnez pas comme ça. Ah d'accord, on lui donne le même respect. C'est ce qu'on prend humainement. Okay. Vous voyez? Et comme Dieu a pris le risque de devenir humain, mm-hmm, mais il y a les résidus de nos pratiques qui rentrent aussi dans la route. C'est vrai, je comprends. Puisque même nos mamans, hein, quand c'est des gens les reconnaissent, ils disent « Ah, c'est la maman de telle !» Déjà, le respect qui leur donne, je vois. C'est un peu ça qui légitime à la base. Ouais. Et maintenant, on vient après corriger. Il y en a qui débordent. Il y a des croyants qui, on met le Saint-Sacrement, par exemple, ça ne lui dit rien. Lui, c'est le chapelet devant la Vierge. Ben, ça, ce sont des petites incongruités. Ah, c'est-à-dire au même moment que le Saint-Sacrement est exposé, il y en a qui vont aller faire leur dévotion devant Sainte-Marguerite ou Saint-Vincent ou je ne sais pas quoi. C'est bien relevé. Voilà. Ça voudrait dire que le grand respect doit être donné. Mais en ce moment-là, pendant la messe, le vous n'allez Christ pas, est sur son trône voilà, quand même. Le Christ, Dieu est là. Oui. Vous n'allez pas laisser la messe pour aller vénérer votre saint à vous. Mmh, bon, ça fait un peu idolâtrie aussi.
Là, voilà. C'est bien de relever ça. J'espère que les fidèles téléspectateurs y notent ça. Hein. Voilà. Parce que c'est effectivement des choses auxquelles on assiste souvent. Voilà. D'accord. Les différentes formes d'idolâtrie et leurs dangers, c'est le sujet de ce matin dans l'église aujourd'hui. Donc, si vous venez de nous rejoindre, c'est de ça que nous parlons. Et voyez-vous que l'idolâtrie, c'est un sujet qui touche presque à tous les domaines et même dans les couples. On parle d'idolâtrie. C'est dans ce sens où on traite une femme qui n'a pas su s'accomplir toute seule et qui est mariée, voit son mari en Dieu. C'est-à-dire elle ne vit que par lui et tout, c'est son mari. Et s'il advenait que ce mari décédait, donc comme c'est une personne non accomplie toute seule avant d'entrer dans ce mariage et que c'est le monsieur qui représente tout pour elle, elle pourrait même aller au suicide parce qu'il n'y a plus rien qui la motive, qui la maintient. Et pour d'autres, bien qu'elles ont déjà de grands enfants, s'il arrivait que ces enfants quittaient la maison et que le mari est toujours vivant, on verra ces femmes, même à un âge avancé, si elles ne sont pas ménopausées, voudront mettre un dernier enfant en route parce que les autres qui partent lui laissent un vide. Et donc on dit que la femme, elle est non accomplie et qu'elle voit son homme ou ses enfants en idole. Et pour l'homme, ce cas, puisque c'est une forme d'idolâtrie qui serait très difficile à déceler, pour l'homme, il semblerait-il qu'il tomberait dans l'idolâtrie de par son travail. Cet attrait d'entreprendre et de réussir et même de séduire, donc quand il essaie une fois et ça a marché, c'est fini, ça le motive, il voudra recommencer de plus belle et là il vivra que par ça. Mon père, êtes-vous d'accord qu'on puisse parler d'idolâtrie dans ces formes-là? Et vous l'avez bien dit, c'est une fine forme d'idolâtrie. D'accord. Effectivement, et que moi je vais appeler une idolâtrie existentielle. C'est-à-dire, cette idolâtrie-là, on pourrait en termes techniques dire qu'il s'agit des déterminismes en fait. Ce sont des déterminismes ou même des atavismes. Si donc il n'y a pas de mal à ça. Et ici, ça comporte des limites. Il y a un mal à ce que je vois mon mari en héros? Pas du tout, mais c'est ce qui suit après. Ma femme en déesse? Ce qui suit après. C'est-à-dire, comme vous l'avez dit, si bon, on ne le souhaite pas, la mort arrivait et que vous n'êtes plus capable de vivre sans la personne. Voilà, là, ça veut dire que l'autonomie, qui est une valeur humaine fondamentale, n'était pas chez vous. Hein, c'est pourquoi nous parlons de déterminisme. Ça, vous étiez, et votre existence dépendait de l'autre. Et c'est pas normal. Parce que, est-ce que ça, on ne parlerait pas plutôt d'une dépendance affective? Oui, c'est ça, un déterminisme. C'est une dépendance affective doit avoir des limites aussi. Hein. Ça doit avoir des limites. C'est-à-dire surtout que vous ne pouvez pas vivre sans l'autre. Mais on ne confond pas cette incapacité d'être autonome après la mort avec la grande souffrance que ça représente que d'être séparé. Ça, c'est clair. Ça peut prendre 1 an, 2 ans. Mais si ça finit par le fait que je ne peux rien faire après lui, alors là, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que chacun, qu'on soit marié ou qu'on soit collègue, il y a une autonomie de base que chacun doit pouvoir garder. Qui fait l'identité, qui fait l'autonomie, qui fait la capacité de se tenir debout. Mm-hmm. Voilà. Vous voyez la Vierge Marie, par exemple, permettez-moi l'exemple. Mm-hmm. Il y a la grande hymne qu'on dit, la Stabat Mater, c'est-à-dire la Vierge Marie debout au pied de la croix. Elle est debout au pied de la croix. Qu'est-ce qui fait qu'elle tienne debout? Il y avait une autonomie fondamentale, initiale, à laquelle elle a été attentive. Sinon, elle s'écroulerait. Voilà. Donc, dans toute relation, effectivement, pour éviter l'idolâtrie négative ou malfaisante, mm-hmm. il faut avoir la passion, l'admiration, l'amour, hein, qui est le niveau le plus élevé, mm-hmm. de son époux, de ses enfants, de son épouse et de ses collègues, de son chef, de son travail, mm-hmm. mais avec une limite. Il faut une limite, sinon nous coulons, notre identité coule. Ouais. On va parler du professionnalisme, ouais. de la dépendance, ouais. de déterminisme, et ça ne répond pas à la nature de l'homme et de la personne humaine. Parce que même le bébé que vous avez dans vos bras, il a une certaine autonomie déjà.
voilà, qu'on respecte venant, tout, voilà. D'accord. Donc on peut dire que c'est bien vrai, ça existe, cette forme d'idolâtrie dans le couple. Oui, oui, elle existe, c'est bien vu. Elle est tout à fait bienfaisante pour le couple, c'est important. On parlerait même d'idéalisation des conjoints. Ouais, ouais. Il faut idéaliser son conjoint et puis avoir une grosse passion pour l'autre. Mais c'est un chemin, hein. Pour arriver là-bas, c'est parfois un chemin. Wow. Mais la douleur vient du fait que quand ce chemin ou cette corde tissée à travers des événements, le temps, vient à être rompue d'un coup, alors c'est pas facile. Mais on se relève. Et il y a de ces cas également, je ne sais pas comment les classer, qu'on voit dans les églises, ces femmes qui sont tellement soumises à leur pasteur que pour les saluer, elles se mettent par terre, s'agenouillent. Et pourtant, peut-être à la maison, elles ne sont pas pareilles avec leur mari. Le monsieur dit 1, elles disent 4. D'autres, on les voit qui nettoient même les chaussures du pasteur. D'autres femmes qui mettent les pannes par terre, qu'ils marchent dessus. Et tout ce qui se passe dans le couple, ça s'en va raconter cela au pasteur. Et même avec des prêtres, on voit ça, avec ces femmes qui sont tellement dévouées. Et pourtant, le prêtre, il a déjà des cuisiniers. Ces cas-là, comment est-ce qu'on peut les classer? Est-ce que ça aussi, ça ne rentre pas dans l'idolâtrie? C'est toujours le dévouement? C'est pas le dévouement. Et je te remercie pour cette question. Elle est très importante. Il faut une éthique aussi dans la religion. Mm-hmm. Il faut une éthique. Ce qui se passe généralement, c'est les conditionnements psychologiques. Les conditionnements psychologiques. Ça va même jusqu'à l'hypnose, c'est-à-dire il y a des pasteurs qui vont jusqu'à hypnotiser par leur posture, leur attitude. C'est l'aura ou quoi? Non, il y a des pratiques. Il y a des pratiques. Oui, oui, okay. Les psychologues peuvent vous expliquer ça. Hein, il y a des pratiques, hein, c'est-à-dire vous séduisez une personne, vous la déterminez par des moyens. Parfois, bon, elle est... Donc, il téléguide la personne. Voilà, surtout que le religieux se loge au niveau de l'affect, au niveau du sentiment. Donc, quand on va jouer, voilà, il y a ce qu'on appelle la reproduction ou bien la représentation, c'est-à-dire cette épouse qui vit une difficulté conjugale va voir dans le pasteur l'homme idéal, le protecteur, idéal, parce le que sauveur. Lui il joue son rôle de celui qui la console, qui l'écoute, qui la comprend, et ça peut aller jusqu'au bout à un moment où elle sera psychologiquement déterminée, conditionnée. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Voilà, merci. Je voudrais simplement dire que on peut faire une belle distinction entre idole et fétiche. Mm-hmm. Nous sommes en Afrique parce que le mot fétiche est concrètement lié à nos pratiques. Ouais. Alors donc, pour les jeunes qui nous suivent, pour les fans et puis toutes les personnes qui sont même victimes des fans, hein, j'ai la liste ici, hein. C'est-à-dire on peut être idole à cause de sa personnalité professionnelle, on peut être idole à cause de ce que vous venez de dire, c'est... De sa performance professionnelle. Oui, oui. C'est-à-dire oui. Quelqu'un qui travaille avec un grand professionnalisme. Oui. Il convainc tout le monde, il devient l'idole des jeunes professionnels. On en a beaucoup. Hein. Mais oui, on en et a ça beaucoup. A cultivé, ça a encouragé. Oui. Ça a encouragé. Ah, c'est une question de compétence et d'efficacité. Oui, puisque ça pousse l'autre à devenir meilleur. Tout à fait. On a des modèles du point de vue héroïque, c'est-à-dire les héros. Hein. Dans la vie politique au Togo, on a des héros, bon, de tous bords, bien sûr. Il y a aussi la capacité de gagner de l'argent. Un riche peut devenir une idole pour un jeune. Il y a la réussite professionnelle, je l'ai dit, la passion du pouvoir. Il y a le football, il y a la musique. Mmh. Donc, c'est des lieux où on est. Alors, pour tous les jeunes qui nous suivent et qui ont en eux ce vide qui les pousse à avoir dans ces modèles des pierres ou des ressorts sur lesquels ils peuvent s'appuyer, mm-hmm. c'est tout à fait légitime. D'accord. Et nous devons travailler chacun à son niveau à être un modèle pour un jeune. Donc, une idole pour un jeune, si vous voulez. Mm-hmm. Ça, nous sauvons cette partie. Alors, la différence est pour éviter de tomber dans l'idolâtrie mauvaise, il ne faut pas offrir des sacrifices sanglant d'animal. Il ne faut pas faire des fétiches. Alors, merci mon père d'avoir été avec nous. Je sais que vous allez revenir très 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 bientôt. Pour quel thème, on ne le dit pas encore. Alors, les différentes formes de l'idolâtrie et leur danger, c'est ce dont nous avons parlé ce matin. C'était donc le thème aujourd'hui. Et nous avons touché à pratiquement à tous les domaines, du moins à plusieurs domaines. Et j'espère que vous avez pu trouver ce qu'il vous faut si vous vous retrouvez dans l'un de ces cas. Merci donc d'avoir été avec nous. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bon dimanche à vous.